Bonjour, bonjour, c'est Jimmy. Je vais faire une vidéo un peu commentée du portrait The Smoker. Donc c'est un homme barbu qui est en train d'allumer sa pipe. Donc j'ai une photo référence et que j'avais déjà crayonné, j'avais déjà refait au crayon pour ceux qui me suivent sur Facebook. Instagram, on peut voir l'esquisse au crayon. J'avais fait un pré-dessin et là en fait ça m'a plu et puis j'ai eu une petite inspiration pour le peindre, donc je suis passé à la peinture et c'est parti. Donc je commence par faire mon esquisse hein, sur le tableau, ma mise en volume, poser des valeurs. Donc les valeurs c'est les lumières en fait, du sombre à la lumière. Donc voilà, c'est ça qui permet de, grâce au contraste, de créer des volumes. Donc voilà, je positionne la main qui tient la pipe et la main qui tient l'allumette, qui est dans le fond. Voilà, je renforce les contrastes, comme on peut voir sur la casquette et sur la barbe. Et là maintenant je marque les ombres sur les mains. Donc faut y aller petit à petit. Il faut se balader absolument dans le tableau pour pas. Pour garder un équilibre en fait visuel, savoir vers où on se dirige. Vaut mieux faire monter les volumes progressivement. Donc là voilà, par exemple je mets du blanc. Ah, c'est pas un blanc en fait, c'est un gris clair. Et voilà, il a allumé sa pipe. Et vu qu'il l'a allumé et que les flammes sont un peu des couleurs chaudes, je réchauffe les couleurs au niveau de la main en mettant des tons orangés, couleur chair. Donc voilà, là ce que je fais c'est que je rééclaire encore le visage. Je renforce la chaleur dans les mains. Et pareil, en fait le but c'est pas de faire un truc parfait, c'est de créer une ambiance. Là ce que j'essaye de faire c'est de créer un aspect un peu mystérieux. Voilà, faut créer quelque chose. Hein. Sinon il suffit de se contenter de regarder la photo de référence et pas besoin de peindre. Donc là voilà, c'est ma première vidéo commentée et ça me fait plaisir. Donc j'espère que le son il va bien donner. Abonnez-vous et likez chaque vidéo que vous verrez sur ma page. En plus le message apparaît. Et voilà, activez la cloche. J'en ai vraiment besoin en fait. J'aimerais bien que mes vues augmentent. Ça serait vraiment cool et que le nombre d'abonnés aussi. Ça serait vraiment top. Alors vous pouvez aussi dans les commentaires laisser des commentaires, j'y répondrai. Ou bien j'en prendrai connaissance, tout simplement. Et moi-même je mettrai un petit like. C'est le jeu ma pauvre Lucette. Donc voilà, la peinture c'est un plaisir, hein. Il faut faire ça avec passion. Et puis je vous invite à essayer parce que c'est vraiment. C'est pas si compliqué que ça en fait. On n'est pas obligé de faire des portraits, le portrait c'est quand même c'est vraiment compliqué. Mais c'est pas insurmontable. Ça demande de la connaissance un peu en anatomie. Et après le reste c'est les couleurs, c'est de la peinture basique. Hein. Des valeurs, des couleurs. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je continuerai ce tableau-là sur une autre vidéo, je pense, parce qu'il n'est pas fini comme je le souhaite. Mais c'est la première étape.
Et maintenant, il faut qu'il sèche. Merci, partagez, likez et abonnez-vous. À bientôt. Ciao, ciao.